Ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette dimension, ce foisonnement, notamment chez les bénévoles. Les gens qui sont là sont investis, sont portent des valeurs de leur territoire, se battent pour valoriser les salariés. C'est vraiment incroyable. Et c'est aussi pour ça que je suis venu. Hein. Ça m'intéressait vraiment d'avoir des associations locales impliquées. Et on a une richesse humaine incroyable. Des gens qui sont exceptionnels, qui donnent de leur temps. Ouais, c'est vraiment ça la spécificité de la TMR. Les cheveux blancs. Ah oui, on vieillit. Hein. Je suis plus le même, évidemment. Je suis plus le même, évidemment, qu'à... J'avais 33 ans quand je suis arrivé. Donc, peut-être que je suis un peu moins fougueux, même que je reste encore assez actif quand même, hein, je crois. Mais peut-être plus posé ou plus réfléchi. Puis on apprend de ses erreurs, on apprend de ses expériences, peut-être un peu plus de hauteur. Non, je crois pas. Il y a aussi beaucoup de salariés qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. La fédération, on en connaît. Hein, et j'essaie de ne pas rester comme avant. Et très certainement que la DMR de demain ne sera pas comme aujourd'hui, comme elle n'est pas du même niveau qu'il y a 5 ans ou 10 ans. La DMR évolue, il faut aussi évoluer avec notre temps. Je me souviens d'une dame, elle était vice-présidente de la fédération, mais elle était aussi bénévole dans son association. C'était un moment où, ça faisait un an à peu près, qu'on avait commencé à développer la garde d'enfants à domicile, parce qu'on n'en faisait pas avant. Et elle revient, elle arrive à la fédération, elle me dit « Aujourd'hui, j'ai été utile. » Je me suis dit « Les autres jours... » Oui, mais là, j'ai touché du doigt concrètement. J'ai été voir une famille, j'ai préparé... le dossier, le devis, le contrat pour aider cette famille. Et demain, ou la semaine prochaine, il y a une aide à domicile qui viendra tous les soirs pour garder les enfants avant que les parents n'arrivent. On a contribué au bien-être d'une famille. Et là, grâce à moi, on a permis cela et j'ai été utile. Ça m'a beaucoup marqué. Et c'est, je crois, vraiment important d'avoir toujours en tête le pourquoi on est là et pour qui on est là. Je ne vais pas vous dire que je m'amuse, mais en fait, je me plais bien, quand même. C'est extrêmement passionnant. On est sur un réseau départemental, hein, et on a le leader de très très loin des services à la personne. Et finalement, le monde, il est à nous. Hein, c'est à nous de décider si on développe, si on crée de nouveaux projets. S'ils répondent à un besoin et si la DMR est légitime, alors la DMR doit le faire et c'est ça qui me passionne. C'est extrêmement passionnant et il y a évidemment de quoi faire et les besoins sont tellement nombreux que la DMR va continuer en Vendée à se développer. Et moi, je m'imagine poursuivre mon action dans ce sens au service de la DMR Vendée.